Chers internautes, bonjour. Ça me fait extrêmement plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Mon nom est Simon-Pierre Savard-Tremblay, je suis président du Forum jeunesse du Bloc québécois. J'ai écouté le dernier débat des chefs. Or, en anglais comme en français, ce que j'ai constaté, c'est que le Canada n'est véritablement pas mon pays. Et ça m'a confirmé que le Québec était mon seul pays. Ce qu'on a vu, notamment dans la partie sur la place du Québec au sein du Canada, c'est que le Canada ne fera jamais de nous plus qu'une simple communauté, plus qu'une minorité qui ne dérange même plus, qui ne leur fait même plus peur. Ce qu'on constate, c'est qu'on ne sera jamais plus, et Stephen Harper nous a donné l'étiquette de nation dans un Canada uni, comme si on n'en serait pas une en dehors, on ne sera jamais plus justement qu'une minorité. Or, moi, je ne souhaite pas être une nation dans un Canada uni, je souhaite être aux Nations unies. Ce qu'on constate, c'est que le Canada n'a plus rien à offrir. Les partis fédéralistes, et légitimement, parce qu'en démocratie, il y a une loi fondamentale et c'est la loi de la majorité, les partis fédéralistes vont toujours être là pour défendre la majorité. Or, la majorité, elle est canadienne-anglaise. Le Québec n'est qu'une minorité. Donc, on a constaté, dans ce débat-là, que le Bloc québécois était le seul parti qui défendait véritablement la différence du Québec, la différence de notre nation par rapport à l'Amérique du Nord et par rapport au Canada. Notre nation est unique, avec son passé, son histoire et son présent, et sa communauté d'avenir, sa communauté de destin. Cette nation-là, elle mérite d'être libre, elle mérite d'être un pays, elle mérite de prendre en main l'ensemble de sa destinée et de participer au monde, d'entrer dans l'histoire. Elle en a les moyens, même Jean Charest le dit. Et nous, avec notre plateforme qu'il nous fait très plaisir de lancer aujourd'hui, nous montrons aujourd'hui que le Forum jeunesse du Bloc québécois a à cœur les aspirations des jeunes Québécois, a à cœur la relève de notre pays, la relève de ce futur pays, de ce pays qui existe déjà finalement, mais qu'il est urgent de parachever. Que ce soit dans notre nation, en ce qui concerne notre nation, notre identité nationale, notre culture, notre langue, le français, nous prouvons dans cette plateforme que nous sommes véritablement là pour nous protéger et pour nous affirmer. Nous sommes prêts, nous sommes capables. Et maintenant, je vous invite à aller, si vous voulez la lire, cette plateforme-là, au site www.fjbq.org. Et je vous invite bien évidemment à voter le 2 mai. Pensez-y, il y a des sociétés dans le monde, il y a des dictatures dans le monde où le jour où ça va se transformer en démocratie, et on constate les transformations qui agitent le monde arabe présentement, le jour où ils vont avoir le droit de vote, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu pendant des années et des années. Ils vont être des centaines de milliers à y aller, peu importe les conditions météorologiques. Or, nous, on n'a pas d'excuses. Voter, ça prend 10 minutes. C'est pas long. S'il vous plaît, allez-y. C'est un geste responsable. Pour avoir le droit de se plaindre, il faut s'impliquer. Or, la première étape de l'implication,